bien sûr en profitant de l'exemption de visa et par l'avion de vol Iva Air. Hein, on est à Paris finalement. Eh oui, je sais, c'est notre premier voyage à l'étranger après notre mariage. Je suis content à Paris. Ben oui, Paris, la capitale, mais en France, il y a aussi tant de choses à voir, à visiter et à apprendre. Oh oui, je sais, il y a le musée, il y a le château, il y a de l'avenue de Champs-Élysées. Ben oui, je sais ce que tu veux dire, ne t'inquiète pas. Ben oui, je sais parce qu'il y a des boutiques de Louis Vuitton. Ah, ça coûte pas cher, hein. Ben, si, ça coûte cher, mais je n'allais pas tout dépenser. Ah, on va revenir et on va investir pour nos enfants dans l'avenir. Mais oui, là, donc voilà, on va passer un séjour très agréable à Paris et même inoubliable. Ah, ma chérie, tu m'es vraiment gentil, je te donne un French kiss made in Taïwan. Bon, merci de vos applaudissements. Monsieur Nocassi, donc, apprenez votre vol. Vous avez fait un bon choix, un choix savant, et profitez-vous de ces jours à Ottawa pour apprendre le chinois. Et pour, avant de venir... Oui, district de club rotarien. Nous avons 15 rotariens en tout, moins nombreux qu'en France. Mais les activités taïwanaises de ces rotariens taïwanais, ou bien, n'est-ce pas, les contributions taïwanaises sont quand même assez remarquables. Et premier point, s'il n'y a pas de l'éducation, Taïwan ne peut pas réussir. Et c'était grâce au président Chiang Kai-shek en 1964, 68 exactement, quand ici en France, il y a eu la manifestation des étudiants universitaires. Et c'est grâce au président Chiang Kai-shek qui a décidé de prolonger l'éducation de 6 ans à 9 ans. Et hier, du gouvernement américain, qu'on a pu lancer ces grands programmes. Et à partir de l'année prochaine, il y aura des programmes de l'éducation obligatoire de 12 ans, de 9 ans à 12 ans.